Écoutez, nous sommes dans le jardin des plantes. Comme vous pouvez le constater, il fait nuit et il y a des grandes structures illuminées. Et c'est magique, on se rapproche de la période de Noël et le muséum récidive en quelque sorte, puisqu'on avait déjà fait cela l'an dernier. Et on propose une nouvelle expérience avec ce parcours magique au sein du jardin des plantes avec d'immenses structures illuminées. Et le parcours de cette année, c'est Traite de l'océan. Ce que l'on propose aux visiteurs cette année, c'est ce parcours à travers l'océan qui est raccord avec l'exposition qui se tient actuellement dans la Grande Galerie de l'Évolution, à Océan, une plongée insolite. Et on propose aux visiteurs de commencer par le littoral, ce qui paraît assez normal. On quitte la plage, on commence par la faune littorale, on a même des oiseaux littoraux autour de nous. Et puis on va aller vers les tropiques, visiter les récifs coralliens, puis on va plonger carrément vers les profondeurs, jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur, découvrir des animaux extraordinaires qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, qui sont ces animaux des abysses. Et puis on propose aux visiteurs ensuite de ressortir, mais cette fois à proximité des pôles, des zones polaires, avec tous les animaux polaires. Par rapport à l'année dernière, on a considérablement amélioré les conditions d'accueil. Il n'y aura plus du tout les problèmes de file d'attente qu'on avait l'an dernier. Tout ça est complètement réorganisé à travers un parcours qui est plus long, qui est plus linéaire et qui est encore plus joli que celui de l'an dernier.